Quelques cercles avec le bassin. Vous glissez le souffle jusqu'au bassin. À chaque inspiration, c'est une expansion. À chaque expiration, une décontraction. Essayez d'associer mentalement, hein, expansion, décontraction avec la sensation physique. Yoga, hein, qui unit le souffle, le mental et le corps. Le yoga, hein, qui vient de la racine yu, qui veut dire le joug, donc c'est ce qui unit à un guide en fait. Hein. Ici, hein, notre être à la conscience universelle. Donc il y a différentes perspectives, hein, dans cette union yogique. Les mains sur les genoux, j'expire, j'enroule. Et j'inspire, je déroule. Le yoga, c'est une reconnexion une réunion. Sur une inspiration, à partir des deux ischions, vous réempilez vos vertèbres. La tête qui se pose dans l'axe, les deux épaules bien détendues. Et à l'expiration, Anjali Mudra. Une fois Om ensemble, inspirez. Croisez les doigts, expirez, paume vers l'avant. On va chercher l'étirement dans les poignets. On intègre les têtes du mérus dans l'épaule. Expirez, inspirez, on grandit. À droite, expirez. Inspirez pour revenir dans l'axe. À gauche, expirez. Cherchez l'expansion du flanc. Inspirez, reviens. Les deux flancs s'allongent. Pressez l'air avec vos paumes de main sur une expiration. Main au niveau du cœur. Une expire pour s'établir dans cette posture. Et avec les mains jointes, j'inspire, je monte. J'expire à droite. Plus délicat, hein, construire comme expansion. J'inspire, je reviens dans l'axe. Et j'expire à gauche. Gardez l'ischion dans la terre. Ouvrez la région du cœur. Inspire, on revient dans l'axe. Et expire à droite, torsion. Regarde vers le pouce droit, essayez de pas trop, hein, sortir de votre axe. On revient, j'inspire, je monte. Et j'expire à gauche. Ouvrez à partir des doigts, en fait, hein, l'axe du cœur. Inspire, on revient dans l'axe, main en prière. Et à l'expiration, derrière la tête, on pousse avec la tête et vous cherchez vos étirements du bout de vos coudes jusqu'au triceps, aisselle, poitrine, taille. 5 respirations ici, en élargissant vos poumons à l'inspiration. En vidant complètement vos poumons à l'expiration. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, inspirez Om 1. Om 2, Om 3, Om 4, on retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on expire Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, dernier, inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on expire Om 1. Om 2, Om 3,
Om 4, on retient Om 1. Om 2, Om 3, Om 4, inspirez. Et relâchez sur une longue expiration. Donc un mouvement aussi lent que votre expiration. Les mains sur les côtés du bassin, on engage le ventre. Les doigts sont plutôt tendus, serrés. À l'inspiration, on repousse dans le sol, on monte le bassin, engage le ventre et ouvrez un peu la région du cœur. Pas trop au niveau de la tête, pas trop arrondi au niveau du cœur. Et on relâche sur une belle expiration. À inspirer, on pousse dans la terre. Expirez, engagez périnée, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, bas du ventre. Ouvrez la région du cœur, creusez un tout petit peu dans vos omoplates et relâchez. Belle expiration. Inspirez, on pousse. Monte. Expire, on engage. On retient un peu, on essaye de remonter les bandas, de les refermer de façon un petit peu puissante. Peut-être qu'on va inspirer ici. Et délicatement, expirez, on relâche. Dernier, inspirez. Expirez ici. Retiens. Inspirez. Et délicatement sur une expiration. On allonge les jambes. Dandasana. La posture à 90 degrés. Les talons qui nous ancrent dans la terre. Et puis on peut croiser un peu les doigts, faire quelques mouvements gracieux poignets. Vous savez, l'énergie, là, ça chauffe assez vite. Bras tendus, on va cligner un peu des doigts, clignoter, forcer la musculature du poignet jusqu'au coude, donc tout l'avant-bras. D'ailleurs, vous pouvez le sentir, hein, si vous serrez vraiment les doigts, ça remonte dans les selles. Système lymphatique ici, du haut du corps. Bras vers le ciel. Dans l'axe du cœur, grand cœur jusqu'au bout des doigts. Vers l'avant. Et vous relâchez moelleusement. Mains sur les genoux, laissez un peu de temps et l'énergie pour circuler aussi dans vos genoux. On est toujours en dos droit, les jambes sont plutôt longues, sans trop forcer hein, ce matin. Et puis, on va amener la cheville droite vers la fesse droite, peut-être sans les mains. Gardez l'ischion gauche dans la terre et sur une belle expiration, plongée. C'est l'expire qui fait que finalement, on glisse vers la terre. On reste, on stabilise 2-3 respirations ici en essayant d'envoyer l'ischion droit dans le sol, celui-ci là, hein. De garder le cœur épanoui dans cette posture, même si elle est complexe, peut-être. On revient sur une inspiration. On essaie d'engager un peu Uddiyana Bandha pour ramener la jambe et on amènera le talon droit dans l'axe de l'ischion droit. Donc, on n'est pas du tout collé à la cuisse gauche. Tournez dans l'axe du genou droit. Et en appuyant les doigts sur le sol, faites tourner la cage thoracique gentiment. Déverrouillez ici, allongez le bas de la colonne, puis le milieu de la colonne, puis le haut jusque dans les cervicales. Belle respiration qui glisse hein, comme une rivière nourricière jusqu'à l'aine gauche, le creux du genou gauche, le bord interne du genou gauche. Même la cheville. Et on revient sur une inspiration. On pivote, peut-être sans l'aide des mains, en fait avec l'aide des muscles de l'abdomen. On prend la cheville et on vient bercer la main, le coude qui entoure éventuellement le pied. Mais on est toujours flex dans la cheville. On monte le tibia dans l'axe parallèle. Et côté genou, main au coude. Vous décidez, vous réactualisez un petit peu le placement de vos ischions et vous bercez. Là, vous sentez que l'étirement il est plutôt du côté droit. Hein.
Essaye d'avoir le dos un peu long, un peu spacieux. Pose le talon droit dans l'axe de l'ischion droit. Donc un peu écarté, il y a au moins une main entre le pied et la cuisse. Prenez appui à gauche, allongez la colonne par le bras droit, à inspirer. Plongez à l'intérieur de la cuisse. On est encore à froid, donc vous y allez lentement. Vous testez un peu hein, ce qui se passe dans le corps ce matin. Et vous essayerez de garder en priorité la jambe droite dans l'axe vers le centre. Donc, il y a une petite action ici, le pied plutôt parallèle au bord long. Et sans forcer, on va amener la main droite peut-être devant le tibia, loin sur le côté, où on fait le tour déjà. Talon gauche activé, allonge le cœur vers les orteils. Éventuellement, vous viendrez saisir les doigts derrière. Allonge toute la colonne vertébrale. Ne forcez pas, essayez de sentir les choses. Grosse compression au niveau du système digestif à droite, du système lymphatique à droite, ici d'ailleurs. Pareil dans la colonne, bien évidemment, déjà dans les épaules. On revient sur une inspiration. C'est pas comme un élastique, hein. En fait, c'est comme un bâti. Vous bâtissez votre posture, vertèbres au-dessus l'une de l'autre. On relâche. Et on va changer de côté. On bascule sur le côté droit. La jambe gauche passe derrière. Le talon plus ou moins vers la fesse gauche. Talon droit qui s'ancre. Et à l'expiration, s'allonge le long de cette cuisse droite. Ça s'arrête ici, ça s'arrête ici. Pas de problème. Épaule détendue, visage détendu, mâchoire détendue. Respiration détendue. Un peu de détente dans cette posture. On reviendra sur une inspire, on réempile en conscience les vertèbres. Donc, d'être assis par terre avec un dos droit, si vous touchez votre dos, il y a déjà du travail musculaire. Puis, on ramène l'ischion gauche, talon gauche dans le même axe. J'inspire, j'allonge la colonne, je tourne à gauche, je tourne à gauche, le cœur. Je repousse avec la main gauche, celle-là, pour pouvoir libérer la cage thoracique et respirer là où vous sentez que ça travaille. On reviendra sur une inspiration, on réempile, on engage un peu le ventre et on vient bercer hein, en fait la hanche gauche. Pied dans le genou, pied dans la main, genou derrière dans la main ou dans le coude. Pied dans le genou, pas du tout. Pied dans le coude ou dans la main. Encore une belle respiration ici. Tranquillement, on relâche. Allongez les deux jambes. Retrouvez vos appuis sur une expiration plonge sans l'aide des mains. Essayez de garder les cervicales un peu longues. Inspirez ici, cherchez hein, cette flexion avant. On reviendra sur une inspiration, on engage le ventre et on ramènera les genoux vers soi. Peut-être que dans un premier temps, on vient crocheter les deux gros orteils. J'inspire, j'étire, j'ouvre la région du cœur. Épaules loin vers l'arrière, je cherche un équilibre. Sinon, on garde les genoux pliés, c'est parfait. À l'expiration qui vient, genou droit, un l'archer qui glisse derrière le bras. J'inspire, je reviens et je passe de l'autre côté sur une expiration. Donc, le ventre est légèrement engagé, ça nous évite de trop tanguer. On contrôle la respiration, on contrôle le mouvement. Et sur une expiration, celle qui suit, on viendra dans papillon. Pieds ensemble et on plonge vers l'avant. Peut-être les avant-bras au sol, peut-être le bout des bras. Ici, on est dans une jonction entre le bassin et la colonne hein, depuis le début. Bassin qu'on modifie par le travail des jambes. C'est comme une sorte de. C'est une marée énergétique, une marée physique par la forme de mes jambes, par ce que je fais dans mes jambes, par la flexion. Hein. J'influe sur mon bassin, j'influe sur ma colonne vertébrale. Je vais donc influer aussi sur ma cage thoracique. J'inspire, je reviens. Je ramène, j'expire. Attention au dos. Soit vous gardez les mains sur les chevilles, vous crochetez à nouveau les gros orteils. Soit sur une inspiration, on viendra chercher hein,
son ouverture ici. Je rajoute la notion d'équilibre. On plie les genoux à l'expiration, on bascule sur le côté, peut-être sans l'aide des mains, hein. Et quatre pattes. On va retrouver notre flow, une jambe après l'autre sur une expiration, à Adho Mukha Svanasana. Et là, vous cherchez votre étirement. Bref. On va garder l'écart entre les deux pieds, donc une petite largeur, une bonne largeur de bassin, comme vous voulez. On va avancer légèrement le pied gauche. On va déséquilibrer l'alignement, en quelque sorte, on va désaligner derrière. Et on va reculer la main droite. Donc, on raccourcit la diagonale, main droite, pied gauche. Et on viendra s'étirer vers l'arrière. Ici, on a modifié dans les jambes. Vous allez sentir dans le bassin, dans la colonne, ça change pas mal de choses. Et la main droite qui va repousser le corps de façon beaucoup plus intense que la main gauche. Deux diagonales différentes qui traversent épaule-hanche, épaule gauche, hanche droite, épaule droite, hanche gauche. Un X majuscule déséquilibré. Je reviens dans mon alignement et je change la diagonale raccourcie, pied droit qui s'avance, la main opposée, main gauche qui recule et je repousse le sol vers l'arrière. Respirez ici. Très bon pour les scolioses, cette posture. On reviendra dans l'alignement, les deux talons vers l'arrière, les deux ischions vers l'arrière et un vinyasa. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre, ça craque le matin. Inspirez cobra. Expirez à dos. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Posez genou gauche sur une expiration. Essayez de le poser assez loin vers l'arrière et de l'aimanter un tout petit peu vers l'avant. Oui, croissant B. Pouce droit devant, index pointé, j'engage Uddiyana Bandha, bas du ventre, je sur mon inspiration. Je garde ma tenue en bas, bassin de face, et cœur haut qui s'élève de plus en plus. Nuque longue, vous regardez devant si c'est trop intense. Respire. Laissez le bassin descendre tout en gardant un peu, disons, sous contrôle. Vers la ligne médiane du corps, du tapis. Et sur une expiration, on ramènera les mains à Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous, pied gauche devant directement sur une inspiration. On pose le genou dans la tête, expirez. Vous vous ajustez plutôt les orteils flex derrière, pour commencer en tout cas. Pouce gauche devant. Index, donc ce sont les autres, l'autre façon de croiser les bras et j'inspire, je vais chercher mon croissant. Débloquer la cage thoracique, sentez que ça s'étire beaucoup dessous ces côtes flottantes. Visualisez votre arc de cercle lumineux brillant. Réunifiez-vous avec cet astre sur une expiration. Attention au bas du dos, on ne lâche pas le bas du dos. On revient à Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Vinyasa, expirez. Inspirez cobra. Expirez donc. Pied droit entre les mains sur une inspire, fente haute. Derrière, c'est solide, il y a cinq orteils qui vous retiennent. Genou droit dans l'axe de la cheville. Et pouce droit devant, j'inspire, je monte. Je vais à nouveau chercher cette expansion-là. Et sur l'expiration, doucement, je plie le genou en effleurant à peine le sol. Je reste dans l'effleurement. Par le talon, sur une inspiration, je déplie mon genou, je remonte le fémur gauche. J'expire, j'effleure le sol. Et j'inspire, j'ouvre. Par la jambe, en fait, je vais modifier plus ou moins la sensation dans ma colonne vertébrale. Essayez de retrouver ça. Et sur une prochaine expire, je dépose délicatement, j'essaie de garder l'engagement musculaire autour de mon genou. Je libère les bras. Inspirez. Le bassin qui monte vers l'arrière, expirez. Ajna Pranumanasana. Quelques instants ici pour étirer du talon jusqu'à la fesse droite bas du dos.
Une inspiration pour revenir. La main droite sur la cuisse droite, torsion. Expire et soulève le genou gauche. Vous gardez les deux ischios un petit peu aimantés, vous enroulez vers la cuisse droite. Inspirez, bras droit qui s'ouvre. Cherchez votre expansion ici. Repoussez le sol avec la main gauche. Et à l'expiration, main droite à l'intérieur, place dessous, plonge avec le cœur et les deux mains à plat de chaque côté du pied droit. Peut-être que je dépose directement ma cuisse droite dans le bras, j'allonge le cœur vers l'avant et pour l'instant, je vais garder un peu de tenue dans la cuisse droite. Je vais avancer, reculer un tout petit peu, donc je vais trouver une sorte de mouvement balancier. Respirez profondément ici. Vous laissez le bassin s'ouvrir, libérant ainsi la colonne, sa dynamique dans la colonne et l'énergie qui peut monter dans la colonne vertébrale. On remonte le bassin, dénoue le bras, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche devant. Pouce gauche devant, vous ajustez ici. Sur une belle inspiration, les deux bras vers le ciel. Stabilisez un peu la posture, Uddiyana Bandha. Expirez délicatement, on vient effleurer le sol avec le genou derrière. Inspire par le talon, j'ouvre et peut-être que j'expands le cœur. Expire, genou plus ou moins bas. Inspire, ouvrez. Restez un peu vers la terre, expirez. Une inspire éventuellement ici. Et délicatement sur une expire, on pose, relâche les mains. Ardha Hanumanasana. J'inspire le bassin qu'on libère vers l'arrière. Expirez. Le bassin est aspiré vers l'arrière, ça va nous permettre d'étirer hein, du talon jusqu'à la fesse gauche. On est unis, en fait, par ces deux directions opposées. Respirez. On est en expansion dans ces deux directions opposées. On revient sur une inspiration, soulève. Main gauche sur la cuisse gauche et à l'expire, on part dans la tension. Inspirez. Ouvrez grand la région du cœur, le bras, l'aile gauche. Repoussez le sol à droite. Encore une belle respiration ici. Et à l'expiration, on ramène à l'intérieur et on passe dessous. Donc dans votre épaule, dans le bras, ça se libère un peu. Et vous amenez la main, les deux mains, à peu près dans l'axe du pied gauche. Et on se laisse aller dans la tête. Donc c'est un peu passif ici. On essaye de sentir qu'on peut laisser reposer la cuisse gauche sur le bras gauche. Et derrière, vous allez dynamiser. Plus ou moins. Balancier vers l'avant, vers l'arrière. Bras gauche sous la cuisse gauche. Et si vous regardez, ouais, ça ne se voit pas trop. Bras droit, moi, il est tendu. En fait, si je repousse le sol à droite, j'ai une dynamique, ça m'évite de m'écraser. On engage le ventre, monte le bassin, déroule comme un serpent hein, ce bras gauche. Adho Mukha Svanasana. C'est de ressentir un peu ce qui se passe. Faites tout en conscience. Donc, même si c'est une posture peut-être compliquée, hein, chacun a des complexités différentes. Ne sortez pas de la posture en panique. Essayez de garder hein, vraiment le flow du yoga à l'intérieur. Physiquement, dans le souffle, dans le mental. En vinyasa, vous faites une pause. Vous décidez en conscience. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et Vajrasana sur une belle expiration. Quelques instants ici pour reconnecter avec la respiration, si éventuellement on avait perdu un peu ce fil respiratoire. Cette capacité à se connecter au prana, l'énergie vitale. Plusieurs sources d'énergie vitale. L'énergie vitale de l'air qu'on inspire. La qualité de la nourriture qu'on ingère,
la qualité de nos relations humaines, la qualité de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, la qualité de nos pensées. Sur une inspiration, on viendra à quatre pattes. Cherchez à vous déployer, large dans les genoux. Expirez, torsion bras gauche, tout le bras droit. On va chercher l'étirement derrière. On va soulager un peu ce travail de force qu'on a commencé à faire dans le long du dos. On va y rajouter un peu de souplesse. Et on va peut-être prendre conscience aussi qu'on peut ouvrir à l'arrière du corps, à l'arrière des poumons, à l'arrière du cœur. Donc, pas toujours à la partie visible, hein, émergée finalement de l'iceberg, mais aller chercher un peu vers les confins, vers la partie invisible, oubliée. On revient sur une inspiration et expirez. C'est toute la longueur de votre expire pour passer de l'autre côté. Conscience dans le poumon à l'arrière qui s'étire comme les trapèzes. On revient sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. Votre flow. Sur la prochaine inspiration, pied droit à l'extérieur de la main droite. On va chercher à être parallèle au bord long du tapis. Pour l'instant, les mains puissantes, les bras aussi. Gauche vers l'arrière et cœur vers l'avant. En essayant de garder l'axe entre les deux ischions. Donc le bassin qui ne part pas trop sur les côtés. Sur une expiration, on va allonger les avant-bras au sol, l'un après l'autre. Alors moi, en fait, je commence à droite. Hein. Je commence du côté de la jambe, c'est-à-dire du côté empêché, pour voir déjà si ça y va. Hein. Ouais, c'est pas facile. On respire ici en essayant de libérer la colonne. Donc, essayez d'avoir cette tenue dans le bassin. En même temps, ça s'écarte, ça se, disons, ça s'épanouit, ce bassin. Et à partir de l'axe des deux ischions, d'allonger vos vertèbres, le regard loin vers l'avant. Et d'être dans un souffle tranquille. Captez le prana. Oui, j'ai oublié la source solaire hein, du prana aussi, bien sûr. Les deux mains à plat. Je remonte le bassin, je le déverrouille en fait, s'il était verrouillé. Donc, je fais attention à ce qui se passe dans mes hanches et j'expire vers l'arrière. J'étire le bas du dos directement. J'inspire pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Amenez le pied avec la main s'il le faut. Trouvez la bonne distance. Deux, trois respirations ici, talon droit vers l'arrière, ischion vers le centre, genou gauche aimanté vers l'avant, cœur regard vers l'avant. Puis, sur une expiration, on commence à amener bras gauche peut-être au sol, bras droit au sol, on voit ce qu'il en est. Le fait de descendre, hein, ça va commencer à démobiliser la jambe de derrière. Essayez de garder la jambe derrière assez tonique. Encore une belle respiration ici. Vous engagez le bas du ventre vers le centre, Uddiyana Bandha, ici, on en profite. Et on ramène une main après l'autre. Monte le bassin, comme si on vérifie dans les hanches, c'est tout libre. Et expire à l'eau. Inspirez Vinyasa. Expirez Vermette. Inspirez Cobra ou Chien tête en haut. C'est comme vous voulez. Expirez Chien tête en haut. Sautez ou marchez vers vos mains, on vient s'asseoir, donc peut-être qu'on croise directement les chevilles, c'est comme vous voulez. Inspirez. Expirez. Détendez un tout petit peu les poignets, trouvez vos deux ischions. Donc quand on saute comme ça dans une flexion avant, c'est un peu chaud pour le dos. Hein. Alors vous décidez, hein, c'est peut-être pas pour vous ce matin. On engage le ventre. Monte les genoux, soit on en reste là, soit sur une inspiration, on va chercher à se déployer. Là, c'est serré au niveau du ventre, même si c'est un peu arrondi. Les abdominaux se sont contractés, donc gonflés et raccourcis. Et vous cherchez à désarrondir, vous cherchez à grandir dans votre posture.
À l'expiration, croise sans lâcher le ventre. Basculez à quatre pattes. Là, ça commence à être un peu plus cool. Décroise et Adho Mukha. Peut-être sur une seule longue expiration, hein, si c'est possible. Inspirez, pied droit entre les mains. Pied gauche 45 degrés. Derrière 1. Genou plié devant. Et sur la prochaine, inspire. Donc, prenez le temps de vous établir et d'être conscient de la respiration. Sur la prochaine, inspire, on monte. On se déploie. Et sur l'expiration, on va chercher à ajuster un petit peu sa posture. Les deux ischios sont légèrement resserrés, mais les fesses sont tranquilles. À droite, c'est étiré, donc ça va être un peu dur. À gauche, c'est compressé, mais ce n'est pas forcément contracté, ce n'est pas pareil. C'est passif. Les paumes, bas à l'intérieur. Les deux têtes du méouse déverrouillées, grandissez dans la colonne vertébrale, dans l'avant du corps. Les deux pieds aimantés énergétiquement l'un vers l'autre, essayez ça. Encore une belle respiration ici. Par Parjvottanasana sur une expiration. La jambe droite se tend, remonte directement la rotule, les deux bras descendent. On se replie le long de cette cuisse droite. Les mains où elles peuvent, ça peut être le tibia, hein, parfait. Ça peut être une chaise. Essayez de vous aider dans vos postures. La posture, ce n'est plus une transition, c'est un outil. Bord interne du pied, notamment la grosse boule, sur le gros orteil dans la terre, la fesse droite qui reste dans l'axe. Deux, trois, respire ici et détendu. Cœur libéré, dégagé et coulé. On va chercher à rapprocher le bas du ventre de du haut de la cuisse. Le reste du corps va suivre, en fait, hein, la racine de ce mouvement. C'est vivant, une racine. Ça cherche les nutriments. Ici, c'est votre bassin, la racine, et la colonne cherche la lumière. Encore une belle respiration ici. Dans l'arrière de cette cuisse, ischio-jambier, ça tire beaucoup. Creux du genou, mollet aussi, bien sûr. Et puis, on va déverrouiller ce genou droit. Donc, vous allez doucement, observez comment ça se plie, allez plus loin. Et on ramène pied gauche derrière, pied droit derrière dans la double. Inspirez pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés. Un tout petit peu rapproché. Genou gauche plié dans l'axe des deux premiers orteils. Le gros, hein, la fourche entre le gros et le deuxième. Et sur une belle inspiration, vient chercher son expansion. Les pieds sont nos racines ici, vous les aimantez l'un vers l'autre. Ramenez les pointes d'omoplates vers la colonne vertébrale. Captez le prana dans la colonne. Les yeux sont grands ouverts. Grands ouverts. Et sur une expiration, Parjvottanasana en essayant de garder votre bassin dans l'axe. Plongez avec élégance vers la tête. On part dans une flexion avant. Pied gauche, toujours vers l'arrière. Bassin, toujours dans l'axe. On privilégie être dans l'axe que être très bas vers la tête. Dans le yoga, on va toujours privilégier l'alignement. Remontez la rotule de gauche et montez les deux pieds l'un vers l'autre. Donc, ceux qui sont très lax dans le genou, ça ne doit pas être bombé dans le genou gauche. Regardez hein, le sens naturel de notre articulation derrière, un creux derrière. Au pire, c'est plat, mais ce n'est pas rebombé, ce n'est pas une articulation à l'envers. Quelques instants pour se concentrer finalement sur bas du ventre ou de la cuisse pour voir de quelle façon le bassin accepte cette flexion ou pas. Et à partir de cette flexion, en fait, vous laissez plus ou moins la colonne libre. En fait, elle se libère grâce à cette flexion. Ou elle s'arc-boute dans la difficulté de cette flexion. Cherchez une colonne libre. Donc, peut-être qu'il faut remonter d'un cran. Bord interne du pied gauche très fort. Vous allez ressentir tout le tuteur à l'intérieur de cette jambe gauche hein, jusqu'au pubis. Et puis tranquillement, on déverrouille. Donc, on observe ce qui se passe dans le genou gauche. Main à plat, poids du corps à l'avant, puis poids du corps à l'arrière. C'est une belle expérience.
Saluez la longueur nouvelle de l'arrière de vos jambes, bas du dos. Et venir ça. Éventuellement, inspire. Expire. Inspire. Allongez. Peut-être qu'on part tous dans le chien tête en haut, pardon. Au va, mon corps. Je suis pas dans la salle. Entre tenue et à l'expiration, on s'étire vers la. Sauter ou marcher en posture assise. Inspirez. Posez le bassin à l'expire. Engagez tout de suite le ventre. Et on commence à ouvrir. Belle respiration ici. Pliez si c'est trop dur dans le dos. Hein. Sur une expire, offrez un immense bouquet de fleurs à droite. J'inspire les fleurs au niveau du cœur. Et j'expire à gauche. Inspire, recevez. Expire, offrez. Droite, inspire, recevez. À gauche, expire. Inspire, expire. On plie les genoux, on engage le ventre, on croise les chevilles et on bascule. Donc, c'est le mouvement naturel du corps, en fait. Pas tellement d'efforts à faire. On bascule, décroise et une jambe après vous faire à Dharmukha Shavasana. Étirez, étirez, étirez. Un soupir sonore ici. On lâche. Sur une inspiration, pied droit entre les mains, guerrier 2. Pied gauche perpendiculaire au pied droit. Expirez, ancrez vos racines. Et sur une inspiration, viens chercher à grandir vers le ciel. Expirez. Établissez-vous dans la posture. Les deux pieds aimantés l'un vers l'autre. C'est vers le centre toujours. Jamais tellement loin de son centre. Qu'on soit dans des grands étirements, on est toujours rassemblés dans le yoga. Sur une inspiration, guerrier 1. Sur une expiration, un triangle. Tendez la jambe droite, on ramène le genou vers le haut et on allonge le côté droit. Peut-être que le bras gauche peut glisser le long de la tête. Pour l'instant, pour tous, prenez appui dans le tibia. Essayez de bien remonter la rotule et de plaquer le bord interne du pied droit. Puis, ouvrez la région du cul. Établissez-vous contre ce bras qui vous sert de mur. Épaule gauche qui s'ouvre vers l'arrière-nuque qui s'allonge. Si on agrippe la chair de la cuisse, on la fait tourner légèrement vers l'extérieur. Sans que le genou tourne. On a deux mouvements hein, qui s'opposent un peu, c'est une spirale entre la tête de fémur et le genou. On ramène, regardez, pouce, gros orteil droit, pardon. Remontez un peu, ça allège ce qui se passe dans le genou. Pliez genou droit dans l'axe des deux orteils. Et inspirez, bras droit qui monte, j'allonge le flanc droit. Je m'agrippe vers ma cuisse si c'est possible. J'expire, je descends. Attention à la fesse droite, un gros étirement ici. Celle-là. Bras gauche vers le ciel à inspirer, mais vous gardez hein, cette sensation de vous établir contre un mur. Et à l'expiration, soit vous restez là, c'est juste parfait. Et à l'expiration, sinon vous plongez. L'épaule qui essaye de passer un peu sous la cuisse, on va chercher hein, sur le côté et on s'en va. On remonte et on ouvre la région du cœur en prenant appui dans cette cuisse. Respirez profondément ici. En engageant le bas du ventre, je ramène la main gauche, la main droite, je pivote sur mes orteils derrière. Donc, vous prenez le temps de pivoter, ça travaille sur la hanche gauche et à dos, la chaleur. Observez hein, la sensation. Hein. Post-essorage. Jambe gauche devant sur une inspiration. Pied droit perpendiculaire à l'expiration. Si vous jetez un coup d'œil par ici, la structure, c'est angle droit à gauche. Genou dans l'axe des deux premiers orteils, gros orteil à côté. Et c'est parallèle derrière, jambe tendue derrière. Le bras droit inspire. M'entraîne vers la verticalité, entre terre et ciel. Le bras gauche prend la place devant et j'expire. Je m'établis dans la posture. Je regarde au-delà des doigts de la main gauche, la main de devant.
Vous stabilisez quelques instants ici. Profitez un peu de cette posture. Warrior 2. Vira Bhadrasana. Le pied bien, ouais. Engage bien la jambe de derrière. Remontez bien la rotule de derrière. Exactement. Sur une inspiration, la main gauche qui retourne la paume vers le soleil, le vent d'ailleurs. Et je monte à l'inspire. Je vais chercher à grandir vers ce soleil sans tendre la jambe pour l'instant. Donc, dans guerrier inversé, c'est juste une bascule du haut du corps. En bas, ça n'a pas changé. Puis à l'expiration, on tend la jambe de devant et on remonte consciemment la rotule. Triangle, trikonasana, tri, trois, kona, coin, le coin. On allonge ici ce côté gauche et on plonge sans sortir de l'axe. Asana, la posture. Éventuellement, donc, vous passez le bras derrière, ça vous ouvrira au niveau de l'épaule, c'est pas mal. Et ça nous empêche de glisser trop vers l'avant. La main droite, dans la taille ou dans l'idéal, hein, ça agrippe le muscle de la cuisse. Et on monte. Si vous pouvez, ici, je tire la chair vers l'arrière, mais je garde, hein, en fait, par le dessous du genou, par le tibia, par la chair du mollet, mon genou dans l'axe. Donc, ce n'est pas en train de vriller sur le côté. Tu feras attention. D'ailleurs aussi, Sylvie. Bord interne. D'ailleurs, pour les sciatiques aussi, il faut faire attention. C'est relié entre le genou et la tête de fémur. Respirez. Éventuellement, si vous êtes super à l'aise, vous pouvez vous étirer complètement. Entre bras gauche, main gauche et bras droit. Yes. Encore une belle respiration. Expansion du cœur. Et doucement, on déverrouille le genou gauche, regardez vers le gros orteil gauche, expirez et on va un petit peu plus bas. Puis, sur une prochaine expiration, on va glisser. Donc, soit vous êtes ici, c'est juste parfait. Laisse gauche rouler vers le milieu du tapis. Vous allez sentir la hanche libre ou pas. Et soit vous plongez, bras gauche qui passe derrière et on viendra saisir la main droite. C'est le bras qui s'enroule. Qui saisit l'autre main ou l'autre bras, ou les autres doigts. Vous retrouvez la ligne médiane. Ventre gauche le long de la cuisse gauche, sans trop laisser tomber la tête. Encore une belle respiration ici. Gros essorage de la hanche gauche. N'essayez pas trop vous écraser. Et sur une expiration, on ramène. Donc on se réenroule. Le dos en profite, ça descend jusqu'au niveau du dessus du sacrum. Puis, je pivote sur les orteils, ça descend dans le bassin, la hanche, le genou. Et puis, je reviens vers l'arrière. Décomposer un peu, hein. Tout est yoga, même la transition. Donc, ce retour, là, il est en train de soulager hein, les parties qui ont été essorées. Étirez-vous ici, observez le pan gauche de votre corps, le pan droit. Et un vinyasa, je tiens en haut pour ceux qui sont. J'inspire dans la planche, j'expire vers la terre. Engage la jambe directement. Inspirez. Chien tête en haut, ça monte, ça ouvre. Dessus des pieds qui repoussent le sol. Coccyx vers la terre, cœur vers le ciel à l'opposé. Et le menton qui s'ouvre. Si c'est possible, on reste 2-3 respirations ici, avec des bras puissants pour chercher l'étirement à l'avant du corps. Soit vous posez les genoux, soit vous retournez, vous appuyez dessus des orteils en fait sur le sol, vous les retournez, vous basculez vers Adho Mukha Svanasana. On va venir dans la planche sur les avant-bras. J'inspire. Posez les deux avant-bras au sol et montez les l'un vers l'autre. Expirez, engagez le ventre. 5 respirations ici, sans trop précipiter les choses. Allons vers l'arrière, coccyx vers la tête. Inspirez. Suspendez. Essayez de garder un peu de contrôle. Et expirez lentement, loin. Suspendez. Inspirez. On suspend. Longue expire. On suspend. Un dernier. Acceptez l'effort. Genoux sur le tapis. Posturez l'enfant quelques secondes. Relâchez bien vos épaules, bras derrière.
Visualisez que vous respirez dans votre colonne vertébrale. Vous nourrissez la colonne par le prana qui circule. Le corps est friand, il n'y a que ça. On puisse lui donner du prana, de l'énergie. On débloque les endroits où elle est stagnante, cette énergie, et qu'on appelle d'autres énergies aussi. Encore une belle respiration ici. On va dérouler dans Vajrasana. Les bras de l'aigle, coude droit par-dessus coude gauche. À nouveau, on vient étirer derrière, on fait des angles. Entre le cœur, les coudes, les doigts. Éventuellement, dessus des mains sur dessus des mains. Vous trouvez une posture assise qui soit correcte pour vous. Peut-être que ça sera debout d'ailleurs. Respirez à l'arrière, ayez conscience de l'arrière. Et on changera sur une expiration. Détendez, détendez, détendez. Vous en profitez d'ailleurs le corps, hein, et le cœur là, à l'avant, ça s'ouvre, ça se libère. Et on change de côté, gauche par-dessus. Et sur une expiration, vous relâchez. Sur les genoux, éventuellement, faites quelques cercles avec vos poignets. Inspirez, quatre pas. Inspirez. Cherchez l'étirement dans votre colonne vertébrale. Et on va sauter ou marcher vers les mains debout. Inspirez. Vous décidez. Expirez, on vient dans une flexion, Paschimottanasana debout, les mains derrière les mollets, pas du ventre vers le haut des cuisses et le reste, on laisse aller. Pas de tension dans la colonne, occupez-vous du bassin et à partir du bassin, en fait, libérez cette colonne vertébrale. Laissez aller tous les tissus du corps, le visage, même les globes oculaires, hein, dans les orbites, la racine des cheveux, les cervicales, la langue à l'intérieur de la bouche. Les sinus qui remontent vers le crâne. Donc, en fait, ici, qui descendent vers le crâne. Vous libérez les canaux respiratoires dans le nez, les canaux dans les oreilles, la jonction des yeux, en fait, pour vous enlever la pression. Et pour ceux qui souhaitent, on pourrait amener les mains sur les pieds et repousser le sol, au lieu de se tracter. Vous repoussez le sol, vous envoyez les deux ischios vers le plafond. Pas de tension dans la colonne, c'est dans le bassin que ça se passe. Éventuellement, vous pliez vos genoux. Vous repoussez le sol, ça peut être les chevilles aussi. Mais vous repoussez et vous êtes concentré sur les deux ischios qui vont vers le plafond. Pour remonter en fait à la verticalité, on va plier les genoux, soulager un peu ce qui se passe dans le dos. Dans l'idéal, on remonte dos droit avec un peu de tenue dans les vertèbres. Si c'est trop, bien sûr, c'est dos rond. C'est comme vous voulez. Inspirez. Remontez vers la verticalité et sans mouvement brusque dans la tête, pour replacer la tête dans l'axe. Main en prière sur une expiration. On monte la jambe gauche à l'inspiration. Et à l'expiration, déploie le talon vers l'avant. Cherchez vos équilibres. On ramène le long de la ligne médiane, expirez. On part dans guerrier 3. Vous gardez le bassin dans son axe, les orteils vers la tête. Une belle respiration ici. Le regard est concentré. Et sur l'expiration, on glisse doucement vers le sol. Pliez genou droit si vous avez besoin. Éventuellement une brique sous la main droite, ou une chaise ou le canapé. Et on part dans Ardha Chandrasana. On ouvre le bassin à gauche. Le bord interne du pied face au sol. On a toujours des angles dans les chevilles et le cœur qui s'enroule vers le ciel. Allongez la nuque de l'autre côté du talon. Cherchez à faire une grande ligne, belle ligne, expansion de la colonne.
main gauche dans l'axe du cœur et du bras. Belle respiration ici. Et pour ceux qui souhaitent, hein, vous viendrez dans la posture complète, vous pliez le genou derrière. On va grappiller un leggin, des orteils, une cheville, et on ouvre. Cherchez cette ouverture. Vous gardez vos deux ischios un petit peu aimantés. Vous relâchez avec conscience. Ramène vers la terre sur une expiration. Pied gauche, parallèle à pied droit. Sentez la différence, hein, dans vos muscles de jambes. Et sur une inspiration, on remonte dos droit. Genoux pliés éventuellement, mais on va essayer de remonter dos droit. Ça travaille plus la colonne vertébrale. Ça va nous aider aussi à libérer, hein, tous les nœuds dans cette colonne. Pied gauche ancré. Allégez la jambe droite, secouez au passage si vous avez besoin. Et trouvez votre équilibre ici. Main en prière au niveau du cœur. Sur une inspiration, c'est le talon qui va vers l'avant. Et le pied gauche qui repousse la terre. Expirez, on rassemble. Inspirez, guerrier 3. En essayant de garder votre bassin de face. Le regard est super concentré sur un point, loin devant vous. Ça va vous aider dans votre équilibre. Et sur la prochaine expiration, c'est la main gauche qui nous intéresse, hein, peut-être sur une hauteur. Repoussez le sol à gauche et ouvrez à droite. Inspirez. Sentez le bassin en fait qui pivote le long de la tête de fémur gauche. Donc ça, c'est le bassin qui s'ouvre le long de la tête de fémur gauche, celle du sol. À droite, ça va bien sûr s'ouvrir, s'étirer. Et ce qu'on va chercher, c'est à pivoter, hein, à partir de l'ancrage. Sur une inspiration, le cœur qui monte, le bras qui monte. Vous cherchez à mettre en place en fait une expansion dans toutes vos directions et vous êtes unis dans toutes ces directions. Il y a un centre fort ici qui permet de se déployer, hein, le plus loin possible. Sur une expiration, pli derrière, éventuellement, hein, on vient saisir un appui en fait à l'arrière et on ouvre. On va chercher un étirement un peu plus intense. Et notamment dans la région du cœur, c'est une ouverture de cœur ici. Essaye d'inviter encore 2-3 respires. Attention à ton épaule, Martine. Essaye d'avoir des épaules libres, quoi qu'il arrive. Soyez dans l'élégance et dans l'effort en même temps. C'est ça, avec un souffle qui vous unit au corps, hein, et à la conscience universelle. Vous êtes nourri par le souffle, hein, et la conscience universelle. Expirez, vous revenez étape par étape, les deux pieds parallèles. La pince debout. Main à plat, une jambe après l'autre, vers la dôme, Pashvanasana. Cherchez votre étirement, oui. Stabilisez, peut-être 3-4 respirations. Petit pas de bébé pied gauche. À l'inspiration, on va lever la jambe droite et on va prendre appui sur le coude droit. À l'expiration, poids du corps qui avance. On prend appui ici. Peut-être qu'on s'arrête là. Sinon, on plie coude gauche sous les côtes. Peut-être qu'on s'arrête là. Étape. Et sinon, vous engagez le ventre, les deux ischions vers la ligne médiale et vous déployez les deux jambes. On repart dans la planche, vers la terre, expirez. Vers le ciel, une inspire. Vers l'arrière, expire. Donc, pas mal d'étapes. Et vous pouvez décider, bien sûr, de vous ajuster, de prendre le temps d'une étape. Petit pas de bébé, pied droit. J'inspire, je lève à gauche. J'expire, je suis déjà en train d'engager mon ventre. J'amène le poids sur les mains, en fait, pas trop sur mes poignets. Je pose, première étape, je repousse le sol ici. Deuxième étape, je plie mon coude droit dans mes côtes. Donc en fait, entre les côtes et le bassin, vous allez trouver un endroit où ça peut se poser. Et éventuellement, je déploie. Je reviens dans la planche, on garde le contrôle. Vers la terre, j'inspire, je monte. Et relâchez sur une respiration. Ouvrez la bouche, expirez par la bouche. Déployez la colonne vertébrale.
Il y a le temps d'intégrer un peu et de dénouer les cervicales et les trapèzes. Donc, une posture qu'on travaille depuis quelques semaines. On approche délicatement, qui est une, parce qu'une, un micro-univers entre l'équilibre, la force et la souplesse. On relâche, on vient s'allonger sur le dos, vous laissez ça de côté, reposez. Reposez un peu. Je rase. Pour l'instant, on pourrait croiser les doigts derrière la tête et venir étirer les cervicales, rapprocher un peu vos coudes. Donc, dans ces postures de force, on s'aperçoit que les abdos s'engagent, mais que ça remonte hein, la plupart du temps dans les cervicales, même dans la gorge. Donc, essayez d'étirer ici, d'offrir ça, ces cervicales-là, et puis même la gorge, là, le menton pour qu'il y ait légèrement la gorge. Et sur une expiration, ce sont les mains qui font tourner la tête. Sur une inspire, les mains qui reviennent. Et sur l'expire, de l'autre côté. Sur une inspire, les mains qui reviennent, qui éloignent les cervicales, qui créent d'espace entre. Et puis vous redéposez, lissez vos cheveux, sentez le pétillement dans le cuir chevelu, profitez-en. Main sur le bas du ventre, les coudes bien relâchés, expire ici. Et si on a besoin, éventuellement, on enfile les genoux, on étire le bas du dos, peut-être quelques cercles, hein, si vous trouvez que le bas du dos est sensible, c'est aujourd'hui. Les deux jambes vers le ciel, sur une inspire, on inverse un peu. Économisez votre énergie dans cette posture. Les jambes sont doucement vers le ciel. Elles sont posées l'une contre l'autre. Il n'y a pas d'effort à faire, en fait. Et si on n'arrive pas à être angle droit sur le sacrum, vous pliez vos genoux. Essayez de micro-plier, de ne pas avoir trop de compression dans le creux des genoux, parce que c'est déjà beaucoup travaillé, de les détendre un peu, ces genoux. Ça va, Sylvie, tu cherches ta caméra. Et on... Soit Shavasana classique, soit on pourrait être cheville croisée, allongée au sol, pour libérer un peu hein, dans l'avant du bassin. Système lymphatique hein, par lequel hein, s'écoulent les toxines toxiques, virus, bactéries mortes. Le système d'évacuation du corps. Si vous avez envie d'un étirement, hein, vous pourrez aussi prendre ses coudes derrière la tête. Mais sans forcer. Si ça travaille dans les épaules, si c'est trop dur pour les épaules, vous revenez hein, en Shavasana. Un soupir sonore qui libère le cœur. Inspirez. Ah, expirez. Laissez-vous aller dans la tête. Une vraie belle respiration, douce et consciente à la fois. Adoucissez le rapport à votre corps, le rapport à votre histoire d'ailleurs aussi. Un souffle, hein, c'est une sorte de chemin vers soi. Cherchez à adoucir. Sentez qu'on peut être dans un effort intense. Ici, hein, quelques postures qui étaient quand même assez intenses, tout en étant ou en restant doux, respectueux, aligné, ses valeurs avec ses choix. Vous étendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Les cuisses qui sont relâchées, bassin spacieux, libre, colonne, muscles du dos, épaules, trapèze, dénoué.
la gorge, la poitrine, le ventre détendu. Mains, poignets, bras détendus. Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau repulpée. Tous les organes internes dénoués. Tout le corps détendu. Et le mental paisible et limpide. Je suis détendu. Harmonie avec moi-même. En harmonie avec l'univers tout entier. Une belle profonde respiration. Et vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Étirez-vous, bâillez, soupirez si vous le souhaitez. Trouvez votre posture assise. Anjali. Quelques cercles éventuellement, bassin, épaules, et cette colonne qui s'allonge de façon gracieuse. Une fois au moins ensemble. Inspire. Namasté, merci à tous. Bravo. Bravo, bravo.